avait historiquement en France une histoire de présence étrangère importante. Depuis effectivement les années 1860, la France a été historiquement une grande terre d'immigration. Deuxièmement, dans les années 38, 39, 40, au moment où la tragédie se préparait, beaucoup d'étrangers et beaucoup de juifs, mais pas uniquement, se sont réfugiés en France pour pouvoir effectivement être protégés. Et avec l'occupation du nord de la France, toute cette population a convergé vers Bordeaux. Bordeaux a été, à partir du 20 mai 1940 jusqu'au 20 juin 1940, le cul-de-sac de l'Europe. Elle est devenue la capitale de la France parce que le gouvernement, l'ensemble des institutions de la République se sont installés à Bordeaux. Ce qu'il faut également que vous sachiez, c'est que le régime de Vichy est né à Bordeaux. Et c'est à Bordeaux, entre le 14 et le 17 juin, qu'on a assassiné la Troisième République. La population de Bordeaux a été multipliée par 3 en un mois. Une grande partie des réfugiés ont fui de Bordeaux vers les Landes et surtout vers la frontière d'Espagne parce que les Allemands, le 20 juin 1940, étaient à 40 km de Bordeaux. Les Allemands sont rentrés à Bordeaux le 28 juin 1940. Donc c'est ici effectivement qu'il va se jouer le sort de la France et une partie du sort de l'Europe. Aristide Sosomès était un royaliste, humaniste, et plutôt un homme ancré parce qu'il a été formé en droit et était un diplomate. Cet homme, au nom de ses valeurs, mais également de sa foi, va décider de désobéir. Désobéir est un acte de résistance. Parce que désobéir, c'est désobéir d'abord à des ordres. C'est désobéir souvent à une pensée majoritaire. Désobéir exige un certain courage. Il a pris les risques, il était conscient de ça. Tous les témoignages montrent que les Bordelais ont été indifférents et pas solidaires, parce que tout ça, ça s'est passé en quelques jours, y compris au sein de la communauté juive de Bordeaux, qui non plus n'a pas compris qu'elle était menacée. Le frère d'Aristide, César, qui avait été ministre de Salazar, il a été nommé ambassadeur de Portugal à Berlin. Donc Aristide va être à Berlin en 1936 pendant 2 mois. Il va être témoin de ce qui était en train de se monter en Allemagne. César va être nommé ambassadeur de Portugal en Pologne. Il va être le témoin visuel du drame de la Pologne. Parce que l'occupation de la Pologne en 1939 a été le premier acte barbare du nazisme, qui a été quelque chose d'inimaginable. Et donc Aristide va être au courant de tous ces faits. Il a maîtrisé assez rapidement sa peur. Et donc dès le 21 novembre 1939, il va commencer à délivrer des visas clandestins. Il a eu peur de cette foule des gens qui se tournaient vers lui, un peu comme s'il était le sauveur. Il rencontre un rabbin et puis ils discutent. Et au bout d'un jour ou deux, il lui dit « Je vais vous faire un visa et vous allez pouvoir partir avec vos enfants par le Portugal. » Et le rabbin lui dit « Mais c'est pas moi qu'il faut sauver, c'est tous mes frères. » Et ça provoque chez cet homme une espèce de crise mystique. Il rentre pratiquement en catalepsie. Il va dans sa chambre, il s'enferme pendant 3 jours et 3 nuits, tout seul. Il ressort au bout de 3 jours et 3 nuits de sa chambre. Il n'avait plus un poil de noir, il était les cheveux tout blancs. Et il dit, bon, maintenant c'est fini, j'ai décidé, tout le monde aura des passeports. Et c'est ce qu'il fait. Son acte essentiel s'est délivré entre le 21 novembre 1939 et le 20 juin 1940. Il délivre, d'après les éléments, entre 32 et 33 000 visas. D'abord, il est aidé par ses enfants. Il est aidé également par le rabbin Kruger. Donc il y a une relation de complicité entre ces rabbins qui veulent sauver ses frères et le consul qui veut leur délivrer des visas. Il y a également, à l'époque, au consulat du Portugal, le secrétaire général, qui s'appelait M. José Seabra, qui va également, en tant que fonctionnaire du consulat, participer à cet sauvetage. Il a sauvé 30 000 personnes, dont 10 000 juifs, qui ont pu quitter Bordeaux vers le Portugal via l'Espagne. Bordeaux a été bombardé dans la nuit du 19 au 20 juin. Une partie des réfugiés qui demandaient effectivement sa protection
vont fuir vers Bayonne. Lui va les accompagner vers Bayonne. Et il se met à signer des visas à Bayonne, rue du Pilori, où était le consulat du Portugal à Bayonne, mais qui était au deuxième ou troisième étage. Et c'est des petites maisons de bois avec des escaliers en bois, etc. Et donc il y a une foule qui commence à s'agréger dans les escaliers. Et ils ont eu peur que l'escalier s'écroule. Alors il a dit non, descendez dans la rue, je viens. Il a fait descendre une table, il s'est installé dans la rue et s'est mis à signer les visas dans la rue. Et il a encore sauvé comme ça quelques centaines de personnes. Le 22-23 juin, il apprend qu'une partie de ses visas a été refusée à la frontière à Hendaye. Il se déplace à Hendaye, il continue à accompagner et à soutenir les réfugiés, ces personnes qui étaient menacées par l'avancée des troupes allemandes. Quand l'armistice a été signé, la frontière s'est vraiment fermée. Alors il a dit, pour les restants, vous me suivez. Il a pris sa grosse limousine. Il est allé à Bir Yatou, qui est un autre poste frontière, mais qui avait un grand avantage, c'est qu'il n'avait pas le téléphone. Ce qui fait que quand l'armistice s'est signé, normalement la frontière était fermée. Mais lui savait ça. Donc il a dit, suivez-moi. Alors, la voiture qui allait au pas, et les gens qui marchaient derrière, ils sont allés à Bir Yatou. Il a dit, je suis le consul général du Portugal, ces gens-là sont avec moi, ils ont tous des visas que je leur ai signés, vous les laissez passer. Les autres, le consul général du Portugal, c'est le consul. Et il a fini par sauver comme ça quelques centaines de personnes de plus. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui savait très bien ce qui était Salazar. Parce que son frère jumeau avait été ministre de Salazar. Il avait été viré comme un malpropre par Salazar. Et le dictateur portugais Salazar, fou de rage, lui envoie diplomate portugais sur diplomate portugais pour lui interdire de continuer. Et Salazar, il l'a fait revenir et il l'a privé de traitement, il l'a privé de tout. Et l'autre est mort dans la misère. D'autant que Salazar, après l'avoir martyrisé de manière épouvantable, a déclaré à la fin de la guerre, nous-mêmes, nous avons aidé les réfugiés, nous aurions aimé faire encore plus, nous n'avons pas fait assez par rapport à ce que nous voulions faire, en parlant de lui. Il s'est attribué les plumes du paon. C'était vraiment un travail mémoriel qui a conduit à ça. Pas croire que parce que les choses se sont passées, elles se savent. Non. Il faut qu'il y ait des gens qui militent, qui travaillent, pour dire, mais ça s'est passé comme ça, et on en a la preuve. C'est finalement par les Juifs qui s'étaient réfugiés à New York, qui se souvenaient du consul. Et il a été reconnu comme juste parmi les nations en Israël. Il a un arbre planté à son nom à Yad Vashem. Mais après, il y a eu le travail remarquable qui a été mené à Bordeaux par une toute petite équipe de gens. Je vous parle d'il y a 30 et quelques années. À Bordeaux, évoquer cette histoire, c'était vraiment... Moi, on m'a jeté à plusieurs endroits. Une fois, je suis allé voir le cabinet du maire de Bordeaux en 1987, on m'a dit, mais monsieur Diaz, vous n'allez pas remuer la mer. Ça suffit, donc la guerre est finie. On passe à autre chose. Bordeaux a longuement été associé à l'image de la collaboration. Adrien Marquet, qualifié comme le maire le plus collaborationniste de France, donc a mis en avant l'image d'une ville donc collaborationniste. La mémoire locale a souhaité mettre en lumière une autre image. La figure de Sousa Mendes est devenue une figure importante qui était celle de la résistance, celle du juste. Avec tout le travail qui a été fait, donc aujourd'hui Aristide est considéré comme un héros qui a effectivement eu un acte de courage extraordinaire, mais ça s'est fait 50 ans plus tard.